encore une fois, comment, avec 150 milliards de dépenses économisées, ils pourront faire. Guégot. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le mercredi 21 septembre, un homme d'une vingtaine d'années, fiché S, a été interpellé après avoir été signalé par un étudiant en raison de son comportement suspect devant l'université de Rouen. Cet homme y avait déjà été aperçu à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois. Âgé de 18 ans, de nationalité française, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Une semaine plus tard, le mercredi 28 septembre, il a été interpellé en Bulgarie, à proximité de la frontière avec la Turquie, et a manifesté clairement son intention de se rendre en Syrie. Madame la ministre de l'Éducation nationale a indiqué la semaine dernière qu'il y avait plus de 600 signalements d'élèves soupçonnés de radicalisation. En tant que vice-présidente de la région Normandie, en charge de l'enseignement supérieur, je vous ai adressé un courrier en date du 23 septembre dernier afin que vous communiquiez précisément les personnes fichées S au président d'université. Comment se fait-il qu'une personne fichée S, connue des services de renseignement, puisse tranquillement se poster à plusieurs reprises aux abords d'un établissement d'enseignement sans être inquiétée? Comment, sous contrôle judiciaire, arrive-t-il à échapper au radar au point d'être interpellé en Bulgarie? Contrairement à la réponse de Monsieur le ministre de l'Intérieur, faite à mon collègue Laurent Wauquiez la semaine dernière, il ne s'agit en rien de faire peur, mais bien de confirmer une réalité qui vous dérange. Tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour assurer, face à ces menaces terroristes, la sécurité de nos concitoyens et tout particulièrement celle de nos jeunes étudiants. Après l'assassinat atroce du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, ce sont bien les Normands qui ont peur. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. À quoi sert ce fichier S s'il ne veut même pas contribuer à mettre en place des mesures de surveillance efficaces? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Je pensais que depuis le temps que nous parlons de ce sujet, il était à peu près compris par tout le monde. Les fichiers S, alors je vais le redire, les fichiers S, c'est un morceau d'un gros fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, dans lequel il y a 400 000 personnes. Les fichiers S est donc une subdivision, c'est un outil administratif qui est à vocation préventive. Ce n'est pas l'arme la plus absolue du pouvoir arbitraire, comme aurait dit Mirabeau en parlant des lettres de cachet. Donc ce sont un élément de police qui sert uniquement à indiquer qu'il y a une mise sous tension. Dans le cas d'espèce que vous évoquez, qui part d'un fait sur lequel vous avez parfaitement raison, ce jeune homme était fiché S, il a été mis en garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire, et avec moi, j'imagine que vous vous félicitez que parce qu'il a rompu son contrôle judiciaire, il a été interpellé parce qu'un mandat d'arrêt a été lancé par un juge d'instruction et que ce mandat d'arrêt a été appliqué et que la personne est aujourd'hui placée sous l'autorité de la police. Donc, dans le cas d'espèce, c'est parfaitement convenable tout ce qui s'est passé. Contrôle judiciaire, mais pourquoi il est parti? Peu m'importe, il a été interpellé une fois qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Que vous m'interpelliez s'il n'y avait pas eu d'action de police, je comprendrais. Mais là, on est dans un cas parfaitement rigoureux. Il a démontré la virtuosité du système. J'insiste sur le fait que l'autorité judiciaire ne peut placer en rétention que s'il y a des éléments de preuve. Le fichier n'est pas un élément de preuve. Le Conseil d'État vous l'a redit le 15 décembre. Vous ne voulez pas l'admettre. Nous continuerons à vous l'expliquer. Merci, Monsieur le garde des Sceaux.